Bienvenue dans les vidéos Magura Workshop. Nous proposons aussi un accessoire pour les freins à disque, des durites en acier tressé. Il y a deux versions, une avec un raccord à 90 degrés, l'autre avec un raccord droit. Leur raccourcissement est différent. Je vous montre à présent comment raccourcir la durite avec un raccord droit. Utilisez une pince coupe câble et gaine comme pour la câblerie. Une fois la durite coupée, vous pouvez arrondir son extrémité. Vissez ensuite avec précaution le raccord sur tout son filetage jusqu'à ce que le début du cône soit visible. Vissez l'écrou à corps de la durite. Maintenez à présent l'écrou et vissez le raccord. Un raccord serti correctement ne sera pas au contact de l'écrou une fois serré. Il reste un léger espace. Vissez le raccord dans l'étrier, puis vérifiez le montage et le sertissage du raccord en tirant fortement sur la durite. La durite avec un raccord à 90 degrés est raccourcie sur le raccord à la poignée. Comme avec l'autre durite, il faut utiliser une pince coupe câble et gaine. Arrondissez le raccord avec la coupe et repoussez l'écrou à raccord. Vissez le raccord sur tout son filetage jusqu'au début du cône. Le filetage n'est plus visible. Attention, la vis doit être correctement orientée. Le filetage doit être orienté vers la poignée. Vissez l'écrou à corps de la durite. Maintenez à présent l'écrou et vissez le raccord avec une clé BTR de 3 mm. Il est important qu'un jeu subsiste entre les deux butées de la vis raccord. Une fois le raccord vissé à la poignée, tirez fortement sur la durite pour vérifier le sertissage de ce raccord. Le montage de la durite aviation en acier tressé s'achève avec la purge du frein. Vous retrouverez ces instructions dans une autre vidéo.